Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode qui sera vous aider à vous connecter à votre compte Facebook sans utiliser email et le numéro de téléphone. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une astuce qui sera vous aider à vous connecter à votre compte Facebook sans utiliser adresse mail et le numéro de téléphone. Vous pensez peut-être que ce n'est pas possible, mais regardez la vidéo et suivez les mêmes étapes. Et avant, si cela est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Également, vous allez trouver sur mon site web tout ce qui concerne Android et iOS. Le lien de cette sera dans la barre de description. Donc, pour connecter à votre compte Facebook sans utiliser adresse mail et le numéro de téléphone, suivez simplement ces étapes. Première étape, accédez à votre compte Facebook, appuyez ensuite sur ces trois points, puis appuyez sur « Copier lien ». Voilà. Deuxième étape, accédez à ce site. Lien du site sera dans la barre de description. Ensuite, collez le lien que vous avez copié dans ce barre. Comme ça, supprimez cette partie, laissez juste le nom d'utilisation de votre compte Facebook. Maintenant, appuyez sur cette option et après sera apparaître avec vous ID de votre compte Facebook. Copiez maintenant ces chiffres, ouvrez ensuite Facebook. Donc, je choisirai Facebook Lite parce que j'ai connecté déjà sur Facebook officiel. Alors, collez les chiffres que vous avez copiés dans la barre de l'adresse mail. Tapez ensuite votre mot de passe. Et comme ça, vous connectez à votre compte Facebook sans utiliser adresse mail et le numéro de téléphone. Au lieu d'utiliser adresse mail ou numéro de téléphone, utilisez simplement ID de votre compte Facebook. Alors, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.